Et voici donc, nous revoilà. Aujourd'hui, c'est le 24. Donc, comme d'ailleurs tout le monde le sait, toute religion confondue, c'est la naissance de notre Sauveur. Il est né aujourd'hui. Donc, nous allons essayer. Donc, de jouer quelque chose à son honneur. On va essayer, on a dit. On va essayer. C'est le grand piano acoustique, ouais, il est beaucoup plus compliqué que l'arrangeur, hein, que j'ai l'habitude d'utiliser, mais on va essayer, toujours essayer. Alors, on va donc interpréter certains cantiques assez traditionnels vis-à-vis de l'événement. Peut-être on peut dire à la hauteur de l'événement. Voilà. Thank you.
On va essayer donc d'attaquer un autre répertoire, un peu plus compliqué, hein. Nous allons chanter le cantique, je crois que c'est 66 en bassa, hein, Céa Abod. Donc nous devons être joyeux, très joyeux, hein, par rapport à cet événement, l'arrivée du Christ. Nous devons être joyeux, joyeux, joyeux. Voilà, donc avec un clin d'œil pour tous ceux qui sont assez tristes au profond de leur, dans le subconscient, au fond d'eux, par rapport aux autres événements qu'on peut qualifier de contre-événements, par rapport à ce mois. Il y a des personnes qui ont perdu leur maman. J'en connais, par exemple, à l'EPC, notre pianiste, donc Ndiengues, hein, il a perdu sa maman. Et j'ai aussi des frères qui sont morts dans notre famille au Cameroun. Bon, alors toutes les familles en souffrance. Mais, nous savons très bien que dans la Bible, on nous dit, cet endroit-là, il n'y a jamais des cris et des douleurs et des pleurs. Là-haut, ça n'existe pas. Toutes ces personnes, on les attend en chantant. Là-haut. C'est que de la joie. Donc pour eux, on va donc essayer de chanter pour eux et en chœur avec des anges. D'accord. Le piano acoustique avec moi, c'est juste, hein?
On continue. Tant qu'il y a de la joie accompagnée, c'est-à-dire l'attente de notre Sauveur accompagnée de la joie, nous devons continuer à chanter et à garder espoir parce que, après cela, il va nous offrir une belle année 2023. Il vient avec ce bonheur. Donc, il faut toujours y croire, hein, jamais être négatif. Dans la vie, jamais, jamais, mais alors jamais se lamenter. Parce que si on se lamente, nous ne sommes pas reconnaissants envers notre Seigneur Sauveur. Si on se plaint, on est envahi, nous sommes envahis, nous ne sommes pas reconnaissants vers notre Seigneur. Alors, donc, toujours garder espoir. Parce que quand on part faire, poser des actes pour l'avenir, pour bâtir notre avenir, communion avec nos familles, hein. C'est jamais pour échouer. Jamais pour échouer. Donc, on ne peut pas partir avec le positif et le négatif en même temps. Dire que je vais faire le concours, mais je vais échouer. Mais non, on part pour réussir. Si on ne réussit pas, à partir de ce moment, on commence à réfléchir comment faire pour réussir l'échec. Pour réussir, transformer cet échec par la suite, que ça devienne une réussite. Attention, c'est cela. Comme ça, on a moins de maux de tête. Donc, c'est ça la formule de la vie, hein. Thank you.
Thank you.
Je vais passer la main à mon asso, la future pianiste de la maison, hein, parce que moi je fais que tricher. Asso, voilà, elle va arriver, elle va sûrement vous jouer quelque chose. Donc, moi je lui passe la main. Voilà, bravo.